Bonjour à tous et bienvenue dans Super Easy French. Aujourd'hui, je viens de me lever et nous allons voir tout ce qu'on peut faire le matin comme activité. Allez, c'est parti. Alors, suivez-moi, on va faire un petit déjeuner. J'ouvre la porte et on arrive un petit peu dans la cuisine bientôt. Suivez-moi, suivez-moi, venez. Voilà, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. On va regarder un peu ce qu'il y a dans le frigo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a pas mal de trucs hein, dans le frigo. Donc, par exemple, il y a ce jus de fruits qui n'a pas de marque, attention. Puis, du lait, du coup, du très bon lait hongrois. Ils disent, nous aimons les produits laitiers hongrois. Donc, moi aussi, c'est vraiment délicieux. Du camembert, mais là, on va s'intéresser particulièrement au petit déjeuner. Comme on est le matin. Le matin, on mange en France et partout dans le monde un petit déjeuner. On a deux types de yaourts différents. Ce yaourt-là est un yaourt nature. Ça veut dire que c'est du yaourt tout simple et qu'il n'y a rien qui a été rajouté dedans. Donc, c'est un yaourt où, par exemple, on peut mettre du miel, un très bon miel d'acacia et on peut mettre de la confiture ou du sucre, par exemple, pour donner un peu plus de goût. Pour moi, manger un yaourt nature, nature, c'est un peu hardcore quand même. Alors, en France, on prescrit de manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, tous les jours, j'essaie de manger des fruits et des légumes. Et le matin, parce que c'est un peu difficile de manger des légumes, j'essaie de manger des fruits. Donc, des pommes, des prunes, du raisin et une poire qui commence un peu à dépérir parce que je ne l'ai pas encore mangée et elle aimerait bien que je la mange avant de pourrir. Ensuite, qu'est-ce qu'on utilise pour manger le petit déjeuner? On utilise une fourchette. Regardez-moi cette belle fourchette. On utilise un couteau et on utilise une petite cuillère. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer des petits toasts. Donc, voilà, je vais poser le micro. Donc, j'ouvre le paquet. Et je sors des toasts. Donc, pour les rendre meilleurs, on va les mettre dans le petit grille-pain, le petit grill, en fait. Donc, rapprochez-vous de moi, suivez-moi, suivez-moi. On allume le minuteur, donc on voit la petite lumière, et on met le pain à l'intérieur. Donc il faut un peu de temps pour que ça chauffe. Et sinon, on a ce très très bon yaourt avec déjà du muesli dedans et des morceaux de dattes. Voilà. Donc allons voir qu'est-ce qu'il en est de notre ami le pain grillé. Alors, je tourne ce bouton et petit bruit, voilà, magique. Et alors, c'est chaud. Donc, si je le prends à la main, ça va, c'est pas trop brûlant. Donc, je le prends, je le pose dans l'assiette et je vais le tartiner. C'est un mot important, tartiner. Je vais mettre du beurre de cacahuète dessus. Donc, je vais décrire mes actions. Attendez. J'ouvre le pot. Je regarde à l'intérieur, donc tout va bien, c'est toujours comme c'était hier ou aujourd'hui. Et je prends et j'applique, je mets le beurre de cacahuète sur la tartine. J'en mets voilà, comme il faut. Et ce que je vais faire, c'est croquer dedans. Verdict, c'est bon. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous ai accueilli chez moi et je vous ai montré le plus possible de choses que je peux faire le matin. Donc voilà, donc je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et vous dire que vous pouvez contribuer à Easy French sur Patreon et avoir accès à des contenus exclusifs juste pour vous derrière la caméra. Voilà, ou devant votre écran, c'est comme vous voulez. Alors, je vous remercie, à la semaine prochaine et à plus. Salut!